gamin. Tu fais quoi? Ton avis, du con. Ne fais pas ça, la vie est belle. Putain, c'est reparti. Qu'est-ce que penserait ta mère? Mais ma mère, tu la connais pas? Ok, donc dégage, fous le camp, putain. Mais arrête, fais pas de tonnerie. Mais putain! Pourquoi vous toujours venez péter les couilles, héros du dimanche, sans déconner, là? Si tu continues, j'appelle les secours, c'est ça que tu veux? Mais non, mais putain. C'est bon, j'arrête, là. Putain. C'est bon, t'es content, là? Tu veux que je te ramène, peut-être? Non, c'est bon, ça va aller. Poussin? Poussin? Je t'ai déjà dit de pas rentrer si tard. Tu sais que c'est interdit? Je veux pas te payer une amende parce que tu fais je ne sais trop quoi dehors. Non, arrête de sou... Connasse. Tu sais que c'est pas bien d'insulter ses parents. Excuse-moi, mais t'es qui? Tu sors d'où, là? Imagine, demain matin, ta mère, elle est morte dans ton sommeil. Et les derniers mots que tu lui aurais dit, c'est « connasse ». C'est pas ouf comme message d'adieu. Déjà, tu parles pas de ma mère comme ça, et tu peux dégager de ma chambre, s'il te plaît? C'est grave flippant, là. Pourquoi tu rigoles, là? Bon, ça suffit, t'arrêtes de... Te fatigue pas, je l'ai bloqué, hein. Maman? Maman? Mais t'es qui, à la fin? Putain! Je suis ton ange gardien. Et en fait, tout à l'heure, c'est moi qui t'ai envoyé quelqu'un à côté de l'arbre. Enfin, c'était pas vraiment moi parce que j'étais pas dispo, mais j'ai envoyé un ami. Je sais, personne me croit d'habitude. Mais toi, pour moi, c'est vraiment important que tu me crois, d'accord? Qui? Attends, de quoi tu parles? De qui te crois pas, là? Bah, mes petits protégés. En fait, c'est un petit peu comme mes clients, si tu veux. Pour ça, t'as des clients. Moi, je vais très bien, t'en fais pas, j'ai besoin d'aide, hein, t'en fais pas. Bah, ça, je le vois bien, hein. Tu fais quoi, là? Non, tu fais pas ici, c'est mort, hein. Oh là là, je sens que tu vas être chiant, toi, hein. Moi, mon taf, c'est de m'occuper des suicides. Et je me suis portée volontaire pour t'aider, donc j'espère que t'es content. Mais j'ai pas une me flinguer, mais je veux très bien, t'en fais pas, hein. Eric, tu sais que je suis ton ange gardien et que je sais tout ce que tu fais. Et tu sais que c'est pas bien de sortir pendant le confinement aussi. C'est dans ma tête, je suis en train de rêver totalement, c'est totalement okay. Alors, ton plat préféré, c'est un gratin dauphinois avec une viande rouge sauce au poivre. Ta ville préférée, c'est San Diego, même si t'y es jamais allé. T'es amoureux de la même fille depuis 5 ans, mais t'as jamais osé lui dire en face. Et ah, je sais. Cette nuit, t'as fait un rêve érotique avec ta prof de français. Et en fait, t'étais sur le bureau comme ça, et après, elle est rêvée, elle t'est montée dessus. Ouais, je te crois, c'est bon, je te crois. Je te crois, c'est bon, je l'ai rêvé, donc je sais bien, je me sais. Du coup, on est voilà, je te crois, c'est bon. Non, mais en vrai, plus sérieusement, Eric, je suis vraiment là pour t'aider, d'accord? Enfin, en fait, je sais très bien pourquoi tu veux mourir et je trouve ça tellement con, en fait. Je sais pas, des jeunes déprimés, il y en a plein en ce moment, c'est une période compliquée pour tout le monde. Mais toi, tu peux juste pas faire ça, d'accord? Enfin, ta mère, elle va pas le supporter. Ok, bon. Je vais dormir, parce que je suis un peu claqué, hein. Et je veux que, du coup, bah, demain, tu dégages, parce que c'est un peu flippant, la première. Je te connais pas. Oh. T'es vraiment un rabat-joie. Mais je sais pas. Putain! Non, mais t'es encore là, toi? Oh, je crois que c'est un mauvais rêve. Bon, j'ai un taf à respecter, moi, d'accord? Alors tu vas te lever, tu vas prendre une douche et on va y aller parce qu'on a plein de trucs à faire aujourd'hui. Attends. Allez, viens, 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 viens. Allez, okay, on se lève, on se lève. Attends. Allez, allez. Bon, on va résoudre tes inquiétudes, c'est le plus important. Mais pour ça, il va falloir que tu me parles. Avec ma psy, quoi. Ouais, exactement. D'ailleurs, t'as rendez-vous avec elle dans une heure, t'oublies pas. Hein. Ah putain, j'avais oublié, merde. Mais attends, faut juste que je te fasse écouter une musique, ça va changer ta vie. Tiens. Ça s'appelle Tiger Joe. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Ah mais écoute, écoute, t'es vraiment moi, c'est vrai. Ah, ok. Et pourquoi?
pourquoi t'es aussi dur avec ta mère? En fait, j'ai jamais connu mon père. Ma mère, elle a jamais voulu en parler, je sais juste que... Bah, que c'est un lâche. Et que c'est bien avant que je sois né. Mais tu vois, jusque-là, ça m'allait pas entendre parler de lui, hein. Genre, bah, je m'en foutais un peu. Mais depuis le début du confinement, je me suis dit... Bah, j'aimerais bien le connaître, quoi. Genre, savoir comment il s'appelle, ou... Même comment ils se sont rencontrés. Mais après... quand je veux en parler avec ma mère... Bah, on commence à s'engueuler et... Puis elle me fait la tête pendant 3 jours, quoi. Parce que j'en ai marre, quoi. Vraiment, j'en peux plus. J'étouffe, j'en ai marre. Je viens de me barrer de chez moi, quoi. Bah, tu sais, elle avait peut-être ses raisons. Comme toi, t'as le choix ou pas de te foutre en l'air. Ah bah c'est ma psy. Tu vas lui parler de tes rêves érotiques avec ta prof de français. Bonjour madame. Bonjour Eric. Excuse-moi pour ce retard, je viens d'installer Zoom. Dis-moi, comment s'est passée ta semaine? C'était à chier, mais jusqu'à hier. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé hier? En fait, j'ai rencontré quelqu'un, et tous les deux, on a beaucoup parlé. Et elle est vraiment cool avec moi. Ah bah super Eric, je suis vraiment contente pour toi. Mais dis-moi, avec ce confinement, j'imagine que tu l'as rencontrée sur internet cette fille. Eric, tu sais, tu peux me faire confiance, hein, je suis tenue au secret professionnel. En fait, c'est un peu spécial. Eric, t'as confiance en moi? En fait, c'est mon ange gardien. En fait, elle est descendue du paradis pour m'aider. Bien, Eric. Et elle te dit quoi, cet ange gardien? Chut, ferme ta gueule, ok? Chut. Mais Eric, à qui tu fais des signes, là? Bah, à elle. Putain, mais merde. Eric, ta mère ne t'a pas reparlé depuis ton retour de l'hôpital? Eric, tu sais comme moi que ça n'existe pas, les anges gardiens. Putain, mais elle est où? Elle est où? Tidore devrait passer. On va te soigner, mon chéri. Elle dit que les paniques, les hallucinations, ça arrive. Qu'il y a beaucoup de dépression de jeunes gens en ce moment. Maman. Tu peux me parler de papa, s'il te plaît? J'ai rencontré ton père quand j'étais très jeune. Et on a eu un enfant très rapidement. C'était pas notre premier enfant. T'as eu une sœur. Elle s'appelait Lola. Nous l'avons tellement aimée avec ton père. Elle
Elle a eu un accident de voiture. Ton père et moi, on s'est séparés après ça. Elle était belle, Lola. Désolée, maman. Désolée, mon chéri.